Merci à toi de cette présentation et merci de cette invitation. C'est un plaisir d'être ici. Alors, comme tu l'as dit, la localisation d'Anderson, eh bien, je le place dans le contexte. Vous ne m'en voulez pas d'avoir des transparents en anglais, hein, parce que mener de pair de... Bon, d'accord. Bon. De toute façon, mener en parallèle deux séries de transparents, une en français, une en anglais, c'est l'enfer, on ne s'en sort jamais. Donc, ça se place dans le contexte des simulateurs quantiques. Alors, je voudrais bien préciser quel est ce contexte. On sait qu'aujourd'hui, il y a le domaine de l'information quantique en général, il y a la cryptographie quantique qui marche, il y a l'ordinateur quantique dont on ne sait pas si ça marchera un jour, mais l'idée est d'utiliser des portes quantiques qui permettent d'intriquer un nombre de plus en plus grand de qubits entre eux, avec l'espoir d'avoir une espèce d'algorithmique quantique avec le célèbre algorithme de Shor et des choses comme ça, pour résoudre, comme tu le dis, des problèmes difficiles, c'est-à-dire des problèmes dont on sait que le temps de calcul croît exponentiellement avec la taille du problème, et donc ce sont des problèmes qui sont inaccessibles aux ordinateurs habituels. Le simulateur quantique, c'est autre chose. En fait, c'est ce qui a été proposé par Feynman dès le début des années 1980, dans un des articles fondateurs justement sur l'information quantique. Feynman propose non pas un calculateur quantique, non pas un ordinateur quantique, mais un simulateur quantique, avec l'idée dont Feynman identifie parfaitement des problèmes, le problème à n-corps, qui est un problème dont la taille est telle qu'on peut même pas, on peut absolument pas rêver qu'un jour on aura un ordinateur capable de résoudre tout ça. Et il dit, par contre, on pourrait le simuler, c'est-à-dire si je remplace mon premier problème par un deuxième problème sur lequel je sais faire des observations, un problème équivalent sur lequel je sais faire des observations, alors c'est un simulateur. Et je vais pouvoir faire des observations là-dessus. Et donc, c'est dans ce cadre, donc, dans ce domaine, eh bien, les premières percées ont été effectuées au début des années 2000 par Emmanuel Bloch à Munich, qui travaille avec Ted Hensch, où ils ont pour la première fois observé un phénomène mythique de la matière condensée. Alors, je ne sais pas ce que vous savez de la matière condensée. Moi, je dois vous dire que j'en savais rien jusqu'à il y a quelques années. Et j'ai commencé à voir ce qui était important chez eux depuis que je travaille là-dedans. Donc, la transition isolant supraconducteur, dite transition de Mott, a été observée par Emmanuel Bloch en plaçant des atomes ultra-froids dans un réseau périodique, dans un potentiel périodique, qui simule ce qui se passe avec des électrons qui sont dans le réseau périodique d'un cristal parfait. Et donc, il a réussi à simuler, avec son système d'atomes ultra-froids, la transition de Mott, à en étudier des paramètres, c'est une transition quantique, etc. Et nous, peu de temps après, nous avons décidé de chercher un autre phénomène emblématique de la matière condensée, la localisation d'Anderson. Si vous connaissez des gens qui travaillent en matière condensée, vous leur parlez de localisation d'Anderson, c'est l'un des grands mythes de la matière condensée dont nous nous sommes attaqués à ce domaine-là. Et c'est de ça que je vais vous parler. Et je vais, à la fin de cet exposé, eh bien, je vous expliquerai en quoi le problème de la localisation d'Anderson va devenir un problème complexe, un problème à n-corps, pour lequel on sait bien qu'il n'y a pas de solution exacte, accessible par les voies habituelles. Alors, allons-y. Donc, ça, c'est le groupe d'optique atomique. Hop, je suis allé trop vite. Et ça, ce sont les gens qui travaillent sur la localisation d'Anderson, dont je les cite tout de suite, parce que sinon, après, emballé par mon sujet, j'oublie de les citer. Et c'est dommage, parce que c'est quand même eux qui travaillent, et pas moi. Moi, je présente les choses. Donc ça, c'est le premier groupe qui a... Je fais aussi partie des gens qui décident de s'engager dans une nouvelle voie de recherche sur laquelle on n'avait aucune idée au départ. Mais bon, ça, c'est travail accessoire des directeurs de recherche. Donc ça, c'est le premier groupe qui a fait le travail, je dirais, fondamental, qui nous a mis sur le devant de la rampe dans ce sujet, qui est la première observation au monde de la localisation d'Anderson à une dimension.
donc avec des expérimentateurs, Philippe Bouillet, qui est maintenant parti à Bordeaux pour diriger l'Institut d'optique de Bordeaux, mais avec lequel nous avons pris ensemble la décision d'aller dans ce sujet, ce qui est toujours, les expérimentateurs comprendront, c'est une décision lourde quand on décide de se lancer dans un nouveau sujet. Et puis les jeunes gens, Vincent, qui est maître de conférence à l'Institut d'optique, la doctorante qui a fait ses expériences, Laurent Sanchez-Palencia, qui est chargé de recherche et qui dirige le groupe théorique, qui nous donne un excellent support sur le sujet. Alors ça, c'est aujourd'hui l'évolution de cette équipe qui continue à travailler sur cette expérience. Ça, c'est une autre équipe. Vous reconnaissez, par exemple, Thomas Bourdel, qui est chargé de recherche, qui dirige cette équipe. Eux, ils s'occupent de localisation d'Anderson 2D. Ceux-là s'occupent de localisation d'Anderson 3D après avoir commencé à une dimension. Et ça, c'est le groupe théorique de Laurence Sanchez-Palencia. Voilà. Alors, attaquons. La localisation d'Anderson, c'est quoi? Pourquoi on s'y intéresse? Pourquoi les gens de la matière condensée sont si excités? Je dois vous avouer qu'au début, j'avais compris qu'ils trouvaient ça intéressant, mais moi, je n'arrivais pas à trouver pourquoi c'était intéressant. Alors, à force de discuter avec eux, j'ai fini par comprendre, je suis vraiment convaincu que c'est intéressant, et je vais vous présenter ma vision naïve, la vision naïve d'un physicien de physique atomique et moléculaire et optique. Voilà, c'est ma compréhension des choses. Alors, quel est le problème? Le problème est le suivant. C'est le problème de la conduction dans un métal, et le modèle de Drude classique, évidemment, c'est des électrons qui font une trajectoire comme ça, aléatoire, en rebondissant sur des impuretés. Et à partir de ce modèle, vous obtenez la loi d'Ohm. Il n'y a pas de problème. Ce que Anderson... Oui, pardon, il faut que je commente ce qui est écrit là. Si vous augmentez le taux d'impureté, vous comprenez bien que la conductivité diminue, la résistivité augmente. Mais en aucun cas, la conductivité va tomber strictement à zéro. Or, il y a des cas observés par les expérimentateurs de la matière condensée, bien sûr dans des systèmes parfaits, à basse température, etc. Il y a des cas où, d'un seul coup, la conductivité tombe exactement à zéro. Et là, ce n'est pas possible. Là, vous avez une progression continue. Vous augmentez le taux d'impureté, ça diminue, mais ça ne va pas à zéro. Et donc, en 1958, Anderson propose un modèle, qui est un modèle, j'ai lu cet article des dizaines de fois, je commence à peine à le comprendre, parce qu'il y a des ressorts mathématiques compliqués là-dessous. Mais l'idée est la suivante. Il prend un modèle quantique, qui est le modèle... dit des liaisons fortes, tie binding model, et puis il rajoute une impureté dedans, et il constate que, alors qu'au départ, dans le modèle de tie binding, les électrons peuvent se propager, je vais avoir une autre diapositive sur le sujet, alors que les électrons peuvent se propager librement, de moins l'infini à plus l'infini, à partir d'un certain taux d'impureté, il y a une transition de phase quantique et d'un seul coup, il y a les états quantiques deviennent des fonctions d'onde localisées. Les électrons ne peuvent plus s'en aller. Alors, une autre façon de montrer les choses, voilà le modèle d'Anderson. Je le représente à une dimension, mais il était à trois dimensions. Dans le modèle des liaisons fortes, c'est quoi? C'est vous avez des puits de potentiel, les électrons sont dans l'état fondamental du puits de potentiel et vous avez un élément de matrice d'effet tunnel entre les divers... Les divers puits de potentiel, et si l'élément de matrice d'effet tunnel est assez grand, eh bien vous avez une solution qui est une solution de plane qui se propage. En fait, vous êtes dans la bande fondamentale. Si vous prenez l'idée des bandes de blocs, vous êtes tout simplement dans une bande de conduction de blocs, d'accord, dans la bande la plus basse de blocs. Alors, ce que fait Anderson, c'est qu'il introduit le désordre de la façon astucieuse suivante. Il monte et descend aléatoirement le fond des puits, ici. Et il démontre, par un argument mathématique très sophistiqué, qui ressemble à de la résolvante, des machins comme... C'est lourd, hein. Il démontre qu'à partir d'une certaine amplitude de la dispersion des positions des fonds, ici, et bien d'un seul coup, la fonction d'onde devient une fonction d'onde avec un profil exponentiel. Donc les atomes ne peuvent plus... Les électrons ne peuvent plus s'en aller. C'est ça, là... La localisation d'Anderson, c'est un papier qui est cité un nombre considérable de fois. Alors maintenant, les gens de ma communauté, les opticiens, les gens qui font des ondes en général, se sont emparés de ce problème, mais avec la vision suivante. Vous avez une onde
qui cherchent à se propager dans un milieu homogène parfait. Pas de problème, elles se propagent. Maintenant, vous commencez à mettre des particules diffusantes dedans. Donc, si vous avez des particules diffusantes pour traiter ce problème, eh bien, chaque fois que l'onde arrive sur une particule, il y a une ondelette. L'ondelette peut être rediffusée sur une deuxième particule. Donc, c'est un problème de diffusion multiple. Eh bien, on montre, de façon analogue à ce qui se passe ici, qu'à partir d'un certain niveau de diffusion, en fait, je vais le dire dans le transparent suivant, mais quand le libre parcours moyen de l'onde, ici, c'est entre deux diffusions successives, devient de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, ou plus exactement de lambda bar, la longueur d'onde divisée par 2π, ce qui rend la chose très difficile à réaliser expérimentalement, alors on a un phénomène analogue, c'est-à-dire que vous avez une décroissance exponentielle de l'amplitude de l'onde, quelle que soit la direction dans laquelle ça va. Voilà. Vu par moi la localisation d'Anderson, c'est ça. Après, vous pouvez aller voir les bouquins de matière condensée, vous verrez, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, il y a ce fameux critère dit de Joffe-Regel qui dit que la localisation d'Anderson va se produire lorsque le libre parcours moyen, ça devrait être un L rond, ici je suis en transition de PC vers Mac, et il y a toujours des problèmes de police et de machin comme ça, donc ça devrait être un L rond ici. Et donc quand le libre parcours moyen, ici, est inférieur à lambda sur 2π, alors on ne peut plus se propager. Alors, comment le comprendre? J'aime bien cette interprétation qui est ici parce qu'elle va me donner accès à plein d'idées fondamentales sur la physique de la localisation d'Anderson. L'idée est la suivante. J'ai ma grande onde qui arrive ici, puis je vais commencer à avoir diffusion à partir d'ici. Alors, première diffusion, je rediffuse, et vous voyez que je peux faire une boucle, je peux revenir au départ. Donc, si je reviens au départ, si j'ai les diverses boucles qui s'ajoutent en phase, alors la probabilité de revenir au départ est augmentée. D'accord ? Si elle est suffisamment augmentée, la probabilité de revenir au départ, eh bien, ça y est, je m'en vais plus. Donc, ça, c'est une bonne idée de la localisation d'Anderson. Parce qu'on peut comprendre sa fameuse méthode, la résolvante, etc. En fait, j'ai mis longtemps à comprendre ça. On peut le comprendre comme la ressommation d'une série de diagrammes. Et donc, à force d'améliorer la possibilité de revenir au départ, il y a un moment où, clac, transition de phase, ça ne peut plus s'échapper. Alors, quelle est la condition pour pouvoir revenir en phase, que toutes les boucles reviennent en phase? Ben, naturellement, si le libre parcours moyen est petit devant la longueur d'onde, il y a beaucoup moins qu'un radian. Donc, ils arrivent tous en phase. Donc, vous avez l'explication du critère de Joffe-Regel qui est là. Alors, pourquoi j'aime beaucoup cette image? Parce qu'elle me permet de mettre l'accent sur plusieurs propriétés physiques que je trouve essentielles pour comprendre la localisation d'Anderson. C'est un effet tel qu'il est présenté là et tel qu'il est présenté par Anderson dans son papier fondateur. C'est un effet à une seule particule. Toutes les boucles ici, c'est la fonction d'onde d'une seule particule. J'ai un seul électron. Et c'est sa fonction d'onde qui va refuser. Donc, c'est l'état propre d'un seul électron placé dans un potentiel désordonné que je calcule. Il faut bien comprendre ça. Le phénomène est dû à une interférence entre beaucoup d'ondelettes qui sont obtenues par propagation de la fonction d'onde de l'électron. Et ça, c'est très important. Dès que vous ouvrez un bouquin de théoricien, un article de théoricien sur localisation d'Anderson, vous voyez que la dimensionnalité joue un rôle essentiel. En 1D, il y a toujours localisation d'Anderson. C'est un théorème, on pourra en reparler. À 2D, on est juste à la limite. Et à 3D, il n'y a localisation d'Anderson que si vous arrivez à satisfaire ce critère-là. D'accord ? Or, vous voyez bien avec cette image, vous comprenez le rôle de la dimensionnalité, parce qu'ici, vous avez une marche au hasard à trois dimensions. Et vous savez bien que quand vous avez une marche au hasard, la probabilité de revenir par hasard ici, c'est la probabilité de revenir à l'origine par une marche au hasard. Et ça, c'est bien connu des mathématiciens. C'est un problème qui dépend dramatiquement de la dimension. Si vous n'êtes pas mathématicien, vous allez comprendre tout de suite. Si je suis dans une rigole et que j'ai une bille qui va au hasard vers la gauche et vers la droite, la probabilité de revenir à l'origine est assez grande. Si je suis à 2D, au hasard, ce n'est pas facile de tomber dans un trou au hasard. Si certains d'entre vous jouent au golf, vaut mieux quand même viser. Parce que si vous y allez au hasard, la probabilité de tomber dans le trou n'est pas grande. Mais enfin, ça finit par arriver un jour ou l'autre quand même. À 3D, il ne faut même pas y penser. À 3D, au hasard, vous n'allez jamais revenir à l'origine.
Donc, je trouve que cette image est excellente parce qu'elle permet de comprendre cette propriété qui sort par des arguments très mathématiques du rôle fondamental de la dimensionnalité. Bien. Alors, après cette présentation un petit peu générale, on va avancer. Et donc, la localisation d'Anderson a fasciné les physiciens depuis toujours et ils ont donc tenté de l'observer avec de nombreux systèmes. Et ici, je cite essentiellement avec des systèmes basés sur les ondes. Alors, le problème fondamental est le suivant. J'envoie une onde sur un milieu. J'observe une décroissance exponentielle. Je vais avoir du mal à convaincre le monde que c'est une localisation d'Anderson, parce que la moindre absorption provoque aussi, c'est la loi de Baire, hein, provoque une décroissance exponentielle. Donc, pour prouver que c'est une localisation d'Anderson, il faut que je prouve qu'il n'y a pas d'absorption. Et ça, ce n'est pas facile. Alors, il y a des tas de discussions, des tas de tests, et on peut dire qu'avec les micro-ondes, il n'y a pas de doute qu'on a démontré, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Avec la lumière sur des particules, c'est très difficile, parce que comment vous pouvez avoir un libre parcours moyen tout petit quand vous mettez de la lumière dans un milieu diffusant? Il faut que vous ayez des particules qui soient très diffusantes. Pour être très diffusantes, il faut qu'elles aient un indice de réfraction très élevé par rapport au milieu, par rapport à 1, si vous voulez, par rapport au milieu ambiant. Or, vous avez des lois fondamentales de la physique qui disent qu'en général, quand vous avez un indice de réfraction très élevé, vous avez aussi de l'absorption quelque part. Donc, pour arriver à vous placer dans une situation où l'absorption ne vous embête pas, c'est très difficile. D'ailleurs, ces gens-là se sont disputés pendant des années, il y a des tas de polémiques. Moi, je pense qu'ils l'ont observé quand même, mais c'est encore un sujet de polémique entre eux. Alors, il y a des expériences convaincantes avec la lumière en une dimension ou deux dimensions. Il paraît que la localisation d'Anderson s'observe aussi en géophysique avec, ça moi j'ai pas vérifié, mais il paraît que ça s'observe avec les ondes acoustiques, les ondes sismiques dans la Terre, etc. Mais enfin, vous voyez bien que tout ça est difficile. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi les atomes ultrafroids dans un potentiel lumineux dit potentiel de Speckle, pourquoi c'est un très bon candidat. Alors d'abord, nous savons aujourd'hui, grâce aux progrès qui ont été faits dans la manipulation des atomes ultrafroids, nous savons, je vais vous en donner un exemple tout à l'heure, avoir des situations dans lesquelles les atomes sont une dimension, deux dimensions ou trois dimensions. Donc on sait contrôler la dimensionnalité. On a des longueurs d'onde qu'on peut contrôler dans des gammes gigantesques. Vous savez qu'aujourd'hui, on sait contrôler les températures des atomes ultrafroids jusqu'à des températures les plus basses de l'ordre de quelques nanokelvin. Et si les températures sont plus élevées, ben, ils vont plus vite. Et donc, s'ils vont plus vite, la longueur d'onde est plus courte, etc. Donc, on sait vraiment contrôler les longueurs d'onde dans des gammes d'ordre de grandeur tout à fait considérables. Le plus important, nous savons faire des potentiels qui sont des potentiels purs. C'est-à-dire qu'il n'y a rien équivalent à l'absorption. Je vous ai parlé du problème de l'absorption quand vous essayez d'observer la localisation d'Anderson avec des ondes. Mes ondes de matière, mes atomes, je sais les placer, je vous en dirai un mot tout à l'heure, je sais les placer dans des potentiels qui sont de pur potentiel. Il n'y a pas de terme non hamiltonien dans l'évolution, si vous voulez. Donc, j'ai vraiment... On sait faire un désordre que l'on sait contrôler et... Surtout, comparé à la matière condensée, nous avons des tas d'outils d'observation. Les gens de la matière condensée, ils ont un échantillon. D'abord, c'est au fond d'un cryostat, ce n'est pas facile à observer. Mais en plus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, grosso modo, mettre deux fils, mesurer la conductivité, éventuellement ajouter un champ magnétique pour voir comment ça change quand vous mettez un champ magnétique. Ils ont très peu d'outils d'observation. C'est très rare, les expériences de matière condensée, où vous pouvez directement aller voir les particules chargées. Bon, il y a les gaz 2D, d'électrons, des choses comme ça. C'est quand même très rare. Nous, on a un tas d'outils, je vais vous en donner quelques exemples, pour observer nos atomes. Nos atomes, on sait les observer par fluorescence. Enfin, il y a des tas de méthodes d'observation. Alors, quelque chose de nouveau. On sait que dans les atomes ultrafroids, en général, il y a des interactions. Or, moi, j'ai insisté sur le fait que la localisation d'Anderson, telle qu'Anderson l'a présentée, dans son papier initial, c'est un problème à une particule. Donc, donc je veux beaucoup de particules indépendantes, je ne veux pas d'interaction entre elles. Donc si j'ai des interactions, c'est embêtant vis-à-vis de la localisation d'Anderson pure. Mais là, j'anticipe sur ce qui sera ma conclusion. Anderson lui-même, dans son papier, dit, et en particulier dans son papier Nobel, dans sa conférence Nobel, explique que pourquoi il a traité le problème à une seule particule. Parce qu'il ne savait pas traiter le problème à n particules. Il dit le problème vraiment intéressant, c'est le many-body problème à n particules. Mais il dit celui-là, je ne savais pas y toucher.
Alors, je me suis attaqué au plus simple, qui était le problème d'une particule. Donc, on voit tout de suite ce que je vais vous annoncer à la fin, c'est que grâce aux interactions entre les atomes, nous avons dans notre ligne de mire le problème à un corps qui, lui, est vraiment impossible, qu'on ne sait pas traiter. Alors, il y a des cas particuliers à 1D, il y a le fameux travail de Giamarchi, des choses comme ça, mais ce sont des cas très particuliers. Bon. Donc, voilà où on en est. Alors, comment on fait ? Voilà un exemple. Enfin, voilà le potentiel des ordonnées que l'on forme. Alors, ce potentiel des ordonnées, on le forme avec des tavelures laser. Alors, vous avez tous vu des tavelures laser, mais je ne résiste pas quand même au plaisir de vous en montrer, si je trouve mon petit bout de plastique qui est là. Alors, est-ce que le laser est assez puissant ? Bon, voilà. Vous voyez là ? Vous voyez des points noirs et des points blancs ? Oui ou pas ? En bas à gauche, là. Vous voyez à peu près, il faudrait éteindre la lumière. Sous le dé de Déclément, là. Vous le voyez, là ? Oui ? Oui, bon. Donc, le speckle laser, la tavelure laser, c'est ça. Vous faites passer un faisceau laser à travers une lame diffusante, hein, et vous observez au foyer d'une lentille, là, il n'y avait pas de lentille, mais peu importe, vous observez une figure comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi... ce genre de figure avait mauvaise réputation. Et tu as fait mention tout à l'heure, alors je me permets de le dire, du fait que j'avais fait, avant de partir en Afrique, une thèse sur l'holographie et les choses comme ça. Et à l'époque, j'avais étudié le speckle et je savais, moi, que c'était un bon désordre et non pas un mauvais désordre. Par bon désordre, je veux dire un désordre que l'on connaît parfaitement et que l'on sait caractériser. Pourquoi ? Vous allez comprendre tout de suite. Imaginez que je veux calculer le champ électrique, c'est la physique complètement classique, électromagnétisme classique. Imaginez que je veux calculer le champ électrique que j'ai à un point quelconque ici. C'est la somme du petit champ qui est diffusé ici, 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 ici. Et là, comme c'est une lame diffusante, c'est une somme d'ondelettes qui ont toutes les mêmes caractéristiques, sauf qu'elles ont des phases aléatoires les unes par rapport aux autres. Donc, qu'est-ce que j'ajoute ici ? Je fais une somme d'un grand nombre de variables aléatoires qui ont les mêmes propriétés statistiques, mais qui sont non corrélées. Résultat, je peux utiliser le théorème de la limite centrale, qui est l'un des théorèmes les plus robustes de la physique. Donc, je sais que, ça va être un phénomène gaussien. Donc, je vais avoir une statistique gaussienne sur le champ électrique complexe. Bon, très bien. Alors, attention, ce que j'observe, là, ce n'est pas le champ électrique complexe. Ce que j'observe, c'est l'intensité, qui est le module carré du champ électrique complexe. Mais puisque c'est le module carré, il y a bien une relation. Donc, par exemple, si je m'intéresse à la fonction de corrélation de l'intensité, qui est ce que je dois faire si je veux trouver, par exemple, le rayon de corrélation ou des choses comme ça là-dedans. Ce qu'il faut, c'est que je calcule la fonction d'autocorrélation de ma distribution d'intensité. Ce n'est pas autre chose qu'une fonction d'ordre 4 en champ électrique, puisque l'intensité, c'est le carré. Donc, c'est une fonction de corrélation d'ordre 4 en champ électrique complexe. Mais quand j'ai un processus gaussien, j'ai le théorème de Wick et tous ces théorèmes-là, qui me disent que tous les moments d'ordre supérieur s'expriment sans difficulté en fonction du moment d'ordre 2. Donc, en réalité, je connais parfaitement toutes les caractéristiques du désordre que j'ai ici. Et c'est ce que nous avons mis à profit quand nous sommes embarqués là-dedans. Nous sommes dit, nous sommes dans un institut d'optique, on connaît bien le speckle, on va y aller, parce qu'on est sûr, ça a été vérifié par les opticiens depuis 30 ans, ces propriétés gaussiennes du speckle, elles sont connues, elles sont solides, on peut y aller. Donc voilà pourquoi ça a été un bon sujet. Voilà. Alors, quelque chose qui ne sera pas complètement indifférent à la fin, dans un speckle, il y a beaucoup de noir. Parce que la probabilité d'avoir l'intensité I, eh bien, elle est en exponentielle moins I sur I moyen. Pourquoi ? Parce que c'est le module carré d'une gaussienne. Encore, quand vous prenez le module carré d'une gaussienne, vous avez cette loi-là. Et ça veut dire que la probabilité maximale est pour I égale 0. Donc, il y a beaucoup de noir dans un gaussien. Ça sera important tout à l'heure. Bon, continuons. On va commencer par parler de localisation d'Anderson à une dimension. Alors, la localisation d'Anderson à une dimension, ce n'est pas le cas ici, mais il m'est arrivé de me trouver dans des assemblées où vous avez des théoriciens russes qui connaissent le lando de la page 1 à la page 10 000, je ne sais pas combien il y a de pages, mais... Et les gars bondissent en me disant, il est bien connu, et je vous l'ai évoqué tout à l'heure, qu'il y a toujours localisation d'Anderson à une dimension. Donc, pourquoi vous l'étudiez ? Bon, il n'empêche que... On l'a fait et finalement, ça a attiré un certain intérêt. Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
Voilà ici un profil de Speckle. C'est un vrai profil de Speckle. C'est généré par ordinateur, mais c'est généré par un processus gaussien. C'est la même chose que si je le faisais avec un laser. Et imaginons une situation dans laquelle j'ai une particule avec une énergie qui est inférieure à la hauteur de deux grands pics qui sont ici. La particule va rebondir entre les deux pics, c'est localisé, très bien, le théorème est validé, tout est localisé. Mais si je fais la résolution numérique de l'équation de Schrödinger, à 1D c'est pas très dur, les ordinateurs vont bien aujourd'hui, donc à 1D c'est pas très dur, on fait une résolution numérique de l'équation de Schrödinger en cherchant les solutions pour une énergie nettement au-dessus de tous les pics qui sont là. Eh bien, voilà un exemple de solution de la résolution numérique. Voilà une fonction localisée d'Anderson. Alors, vous voyez ce qu'il y a d'intéressant, là. C'est que la particule ne peut pas se propager, non pas parce qu'elle rebondit entre des pics, mais parce que vous avez un phénomène d'interférence entre toutes les ondelettes qui sont diffusées sur les petits pics qui sont là, et la somme de toutes ces petites ondelettes finit par empêcher l'onde de progresser. Donc ça ressemble vraiment à la localisation d'Anderson. Donc ça, ça y ressemble pas, mais ça, ça y ressemble. Et donc, alors il y a d'autres arguments, si vous me posez des questions à la fin, parce que je vais vous parler après de 3D et d'un tas de choses comme ça, il y a bien d'autres choses absolument merveilleuses avec la localisation 1D. Et donc je vais plutôt vous montrer comment on a fait l'expérience. On a fait l'expérience à la façon suivante. Donc je vous ai expliqué qu'avec les atomes ultrafroids, on peut choisir des configurations 1D, 2D ou 3D. Alors ça, c'est un exemple de configuration 1D. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un laser horizontal et ce laser va être réglé avec un désaccord loin à une fréquence inférieure à une fréquence de résonance. On est suffisamment loin de la fréquence de résonance pour qu'il n'y ait aucun cycle de fluorescence dont il n'y a pas absorption, il n'y a pas de photons diffusé, il n'y a que des processus absorption-émission stimulés dans le laser. Il n'y a pas de diffusion sur le côté. S'il y avait diffusion sur le côté, ça me ferait une perte de cohérence de ma fonction d'onde atomique. C'est l'équivalent d'avoir un phénomène d'absorption quand j'ai une onde lumineuse qui se propage. Je vous ai dit, on n'a pas ça. Pourquoi on n'a pas ça? Parce qu'on peut être suffisamment loin de résonance pour que ces phénomènes de diffusion soient complètement négligeables, dont je n'ai que des cycles absorption, émission stimulée. C'est pareil pour le Speckle. Hein. Je me place toujours loin de résonance de façon telle que le taux de diffusion de photons soit de plusieurs dizaines de secondes. Et vous verrez que mes expériences ne durent jamais de plus de 10 secondes, donc probabilité nulle. Donc j'ai un vrai potentiel et quand je me place très en dessous de résonance, je suis attiré vers le centre du faisceau laser. Donc, mes atomes circulent dans le faisceau laser. J'ai un guide d'ondes de matière. OK ? Les atomes circulent là-dedans. Les ondes de matière, les ondes de De Broglie, sont guidées dans un guide d'ondes de matière. Je le mets bien horizontal. Je règle les petites courbures résiduelles avec des petites bobines. D'abord, je peux vous dire, c'est des manips qui sont dures. Hein. Mais les étudiants sont bons, donc tout va bien. Donc, j'ai mes atomes qui circulent là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? J'ajoute un piégeage longitudinal, ici, dans un potentiel harmonique longitudinal, dont mes atomes s'accumulent au milieu, et je fais un condensat de Bose-Einstein. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Il nous parle de phénomène à une particule, et maintenant il nous parle de condensat de Bose-Einstein. Oui, parce que je vais utiliser un condensat de Bose-Einstein dilué. Et un condensat de Bose-Einstein dilué, c'est beaucoup de particules, toutes décrites par la même fonction d'onde, mais indépendantes les unes des autres. Dans mon faisceau laser ici, le faisceau laser vert qui est là, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de photons, tous décrits par le même mode du champ électromagnétique, mais tous indépendants les uns des autres. C'est ce qui me permet, avec un laser, de voir comme le nez au milieu de la figure, des figures d'interférence, des figures de diffraction, etc. Si je crois les livres de mécanique quantique, il faudrait que j'envoie les photons un par un sur les fentes, que j'observe l'endroit où il arrive, je recommence, j'observe où il arrive, pour reconstruire la figure d'interférence. Mais avec un laser, ça va tout seul, parce que j'ai des milliards de photons qui sont tous décrits par la même onde électromagnétique, mais qui sont indépendants les uns des autres. Ici, le condensat de Bose-Einstein joue le même rôle. C'est-à-dire, mon condensat de Bose-Einstein est assez dilué pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre les atomes, mais ils sont quand même tous décrits par la même fonction d'onde.
Donc, je n'ai pas besoin de prendre un atome et de recommencer un milliard de fois, parce qu'entre-temps, la manip s'est déréglée, c'est embêtant. Là, j'ai d'un seul coup, je vais prendre une photo et je vais avoir ma distribution de la position des atomes qui va directement me donner le module carré de la fonction d'onde. OK, c'est clair, il faut bien comprendre ça. Parce que c'est ça qui est miraculeux avec les condensats de Bose-Einstein. Donc maintenant, j'ai un condensat de Bose-Einstein ici qui est dans un piège. Alors ce que je vais faire, c'est qu'à l'instant t égale 0, je vais relâcher le piège. Alors je vous ai un peu menti quand je vous ai dit qu'il n'y a pas d'interaction. Au départ, il y a un peu d'interaction. Mais dès que ça s'étend, il n'y a plus d'interaction. Donc l'énergie d'interaction initiale se transforme en énergie cinétique et après, c'est une expansion balistique pour mes atomes. Donc, voilà ce que ça donne. Ici, mes atomes sont confinés, je lâche et ça s'étend. Et vous voyez que la taille en fonction du temps croît linéairement avec le temps et donc expansion balistique dont l'énergie d'interaction initiale s'est transformée en énergie cinétique et ça y est, c'est du vol balistique. Alors, ça peut vous paraître trivial, ça. Je vous signale qu'on est dans des nanokelvin. Donc, si ça penche un peu d'un côté, ça accélère par là. S'il y a une courbure résiduelle, ça... Alors, donc, il y a des tas de petites bobines, encore une fois, pour rectifier le potentiel, pour que ce soit pile-poil horizontal. Bon, c'est terrible, hein, de faire une manip comme ça. Et donc, finalement, là, j'ai une superposition d'ondes planes, indépendante, avec une valeur maximale de la quantité de mouvement qui est reliée à l'énergie d'interaction initiale, qu'on appelle le potentiel chimique initial. Donc, j'ai un système parfaitement caractérisé. Je lâche mes atomes, je sais qu'il y a une distribution d'énergie avec une valeur maximale de l'énergie, tout est bien caractérisé. Et voilà le résultat. Quand je n'ai pas de désordre, la taille croît linéairement avec le temps. Je mets le désordre, paf, ça se met à croître et tout d'un coup, ça s'arrête. Et si je fais une photo, c'est une vraie photo, ça, voilà, le bleu, c'est une simulation du désordre. Si je fais une photo, au bout d'une seconde, eh bien voilà le profil, la densité atomique. Donc, vous voyez bien que ça a une tête exponentielle ici. D'accord ? Donc, voilà une photo d'une fonction d'onde localisée d'Anderson. C'est la première fois que les gens ont vu ça. C'est pour ça que cet article est cité un nombre faramineux de fois. Alors, évidemment, il faut être un peu sérieux, on montre des photos, mais on est aussi des vrais physiciens, on fait des mesures, on fait des choses comme ça, dont, premièrement, vérifier que c'est bien une exponentielle. Alors, deux méthodes, la méthode des jeunes, ils mettent ça, ils font des fits à l'ordinateur, ils me disent « ouais, c'est bien une exponentielle ». Moi, je suis un vieux, je leur dis « tracez-moi sur un diagramme semi-log ». Donc, quand on trace sur un diagramme semi-log, là, je suis convaincu que c'est bien une exponentielle. Et donc, on peut mesurer ici, là, avec, mesurant la pente, on peut mesurer la constante de l'exponentielle dans la longueur de localisation. Or, cette longueur de localisation, dans ce cas-là, on est à 1D, on peut utiliser un développement de borne à l'ordre le plus bas, donc on sait faire les calculs analytiques et tout, et on voit que ça correspond parfaitement à ce qu'on peut calculer par un calcul ab initio. Je vous ai dit que tout est caractérisé, je connais l'énergie cinétique de mes atomes, je connais tout sur mon speckle parce que gaussien, etc., je vous ai raconté, je connais tout, je peux faire un calcul ab initio et je vois que ça marche bien. Alors ce qu'on voit ici, ça c'est remarquable. Vous avez ici, après 0,8 secondes, le profil après une seconde, le profil après deux secondes. Vous voyez bien que c'est localisé. Bon, ça diminue un petit peu parce qu'on perd toujours quelques atomes en route, mais quand même. Donc, vous partez vraiment de vos atomes, ça commence à s'étendre et puis, paf, c'est bloqué. C'est ça, la localisation d'Anderson, et c'est une visualisation directe. Oui ? Oui ? Oui ? Non, parce que rappelez-vous qu'il y a un guide d'onde à 1D. Rappelez-vous que mes atomes sont guidés à l'intérieur de ce tube-là. Ils sont dans un tuyau. Donc on est à 1D. Pour être technique, ils sont dans l'état fondamental de l'oscillateur harmonique à deux dimensions qui les piège dans la dimension transverse. Ils sont dans l'état fondamental de cet oscillateur harmonique. Ils ne peuvent pas monter dans le premier état ou dans le deuxième. Les ordres de grandeur, on les a choisis comme ça. Parce que, comme on confine beaucoup de façon transverse, l'écart entre niveau d'énergie de vibration est assez grand pour que, effectivement, l'énergie n'est pas suffisante pour monter dans les niveaux supérieurs.
Donc c'est une bonne question, merci de me donner l'occasion de préciser ça. Allez, on continue. Donc il y a quelques collègues qui ont obtenu des résultats analogues. Nos amis à Florence ont été publiés dans le même journal, mais c'est un système qui est assez différent chez eux, et puis un certain nombre d'autres expériences qui sont venues, qui sont différentes. Voilà. Alors maintenant, on va parler de 3D. Alors, localisation dans l'air sonde 3D, ça, c'est vraiment dur. Pourquoi c'est dur? Parce qu'il y a la gravité qui m'embête. Alors, évidemment, vous, vous allez me dire, c'est pas difficile, il n'y a qu'à aller faire la manip dans un satellite, dans la station spatiale, etc. Bon, quand on peut éviter, c'est aussi bien. Donc, voilà comment on a fait. On a mis des bobines, ici, qui créent un gradient de champ magnétique. Et comme j'ai des atomes paramagnétiques, je peux choisir le niveau Zeeman dans lequel je les mets. Ils ont donc un moment magnétique qui est aligné avec le champ magnétique. Et comme j'ai un gradient de champ magnétique, ça me fait une force qui me permet de compenser la gravité. Donc, pas besoin d'aller dans la station spatiale. Alors, c'est un peu compliqué, il faut calculer les bobines. Pourquoi ? Les lois de la physique sont terribles. Divergence B égale 0. Si vous avez un gradient comme ça, il y a aussi des gradients transverses. Alors, il faut en faire quelque chose de ces gradients transverses. Alors, vous avez le choix. Soit vous pouvez bricoler pour qu'ils rentrent, ils soient rentrants. Mais dans ce cas-là, si j'observe la localisation, les gens vont me dire, ben oui, forcément, c'est le gradient transverse qui vous ramène les atomes. Donc, on a fait exprès de choisir une configuration où le gradient transverse est sortant. Comme ça, si on observe la localisation, on ne pourra pas nous dire que c'est parce que ça ramène les atomes vers le centre. Mais enfin, l'idée, c'est quand même que ce gradient transverse soit le plus faible possible. Donc, pour ça, il faut des bobines qui sont grosses, comme d'habitude, par rapport à la taille des machins. Donc, plus les bobines sont grosses, plus il faut que le courant soit fort. Mais on est en ultra-vide à 10-11. Donc, tout ça est bien compliqué. Mais, à la fin, ça marche. Donc, on est capable de suspendre les atomes ici et de les garder 10 secondes. On peut les observer pendant 10 secondes avant qu'ils s'échappent. C'est long, hein. En physique atomique, on était habitué à des millisecondes, à des microsecondes. Hein. Alors, traditionnellement, les atomes dans un jet atomique, ils passent, tu le vois, quelques microsecondes, millisecondes au mieux. 10 secondes, on peut les garder et les observer. Donc ça, c'est bien. Ensuite, deuxième problème, faire un speckle 3D. Alors, les théoriciens vous disent, c'est pas difficile. Il n'y a qu'à avoir des faisceaux isotropes qui arrivent de tous les côtés. Oui, mais faisceaux isotropes qui arrivent de tous les côtés, pour un expérimentateur, ça ne va pas. Vous avez une enceinte à vide, il y a des hublots, il n'y a pas question d'avoir un machin isotrope qui arrive de tous les côtés. Mais enfin, on peut être un peu plus malin. Parce que, ici, j'ai un premier speckle. Maintenant, je croise par un deuxième speckle. Si mes deux faisceaux sont mutuellement cohérents, je peux vous refaire, pour un point qui est au centre, ici, je peux vous refaire le coût de la somme des variables aléatoires, etc., etc. Donc, que ça vienne à 1D, à 2D ou à 3D, c'est toujours un processus gaussien. Donc, j'ai un speckle 3D. Alors ça, c'est calculé par ordinateur pour la configuration qui est là. Donc, c'est la distribution d'intensité que j'ai dans mon speckle 3D. Alors certes, il n'est pas isotrope, mais il est vraiment 3D. Qu'est-ce que je veux dire par le fait qu'il est 3D? Je veux dire que le rayon de corrélation est court, c'est-à-dire la taille du grain de speckle est petite, quelle que soit la direction de l'espace où je le regarde. Donc, c'est des choses qu'on a bien calculées. Et donc, je me retrouve avec un désordre vraiment 3D. Certes, il est anisotrope, mais il est 3D. Et j'insiste maintenant sur ce point. Imaginez que là-dedans, j'observe localisation. Les gens vont me dire, ben oui, forcément, c'est un paysage dans lequel j'ai des montagnes et des vallées. Mais pour passer d'une vallée à l'autre, il y a des cols. Et donc, est-ce que ce que vous avez, ce n'est pas une localisation classique, dans le sens que les atomes ont une énergie suffisamment basse pour qu'ils n'arrivent pas à franchir les cols qui leur permettent de passer d'une vallée à l'autre? C'est ça la percolation. Donc le seuil de percolation, c'est la valeur d'énergie en dessous de laquelle vous êtes piégé de façon classique. C'est un raisonnement classique que je suis en train de vous faire. Mais vous vous rappelez qu'il y a un moment, je vous ai expliqué que quand j'ai un speckle, la distribution d'intensité est une exponentielle décroissante et je vous avais dit, un speckle, c'est un machin où c'est la plupart du temps noir. Ce qui veut dire qu'en fait, les cols sont très très bas. Et quand vous calculez le seuil classique de percolation, il est nettement en dessous d'un centième de la valeur moyenne du désordre. Or, mes atomes vont avoir une énergie qui va être typiquement de l'ordre de la hauteur moyenne des montagnes. Mais les cols, eux, ils sont à un centième de ça.
Donc, si j'observe localisation, vous ne pourrez pas venir me dire que c'est parce qu'elles sont bloquées au sens classique du terme. Bon, toutes ces précautions ayant été prises, voilà comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a ici une boule maintenant. Comme dans sa Bose chaîne, c'est une boule. Et on va recommencer l'expérience, toujours avec l'idée qu'il faut que ça s'étende suffisamment pour qu'on n'ait plus d'énergie d'interaction. Donc, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va laisser s'étendre et puis on va monter brutalement le potentiel désordonné. On observe comment ? On observe en envoyant un faisceau laser vers la caméra ici et on fait donc une image en absorption. Mais ce qu'on fait, on fait donc une intégration de la densité atomique suivant la direction, suivant la ligne de visée. Donc j'obtiens un diagramme à deux dimensions. C'est ce qu'on appelle la densité colonne quand j'intègre suivant la ligne de visée. Donc, j'obtiens un diagramme à deux dimensions qui est le N de, je n'ai plus les axes ici, c'est YZ, qui est ici. Alors, donc ici, je me mets dans le cas où le désordre est trop faible, parce que je vous rappelle, il y a le critère de Yoffe-Rigel, donc le désordre est trop faible pour qu'il y ait localisation. Donc, on voit au départ à 0 seconde, voilà, 0,4 secondes, 0,8, 1,2, puis après, c'est tellement dilué qu'on n'arrive plus à observer le signal. C'est une question de rapport signal sur bruit. Ce n'est pas que les atomes aient disparu, mais c'est une question de rapport signal sur bruit. Maintenant, je mets un désordre suffisamment fort, et là, qu'est-ce que je vois ? Ça commence à décroître, et là, ça ne décroît plus. 6 secondes, hein ? Alors que là-haut, c'était 1,2, là, 6 secondes. Hein ? Mais 8, bon, je ne vous les présente pas parce que le rapport signal sur bruit commence à être pas très joli. Mais bon, donc, clairement, il se passe quelque chose. Alors, toujours pareil, on est des physiciens, on est des professionnels, donc on analyse ça. Alors, comment analyser ? Voilà l'analyse. Alors, deux analyses. Premièrement, la taille du nuage en train de s'étendre, que ce soit ici ou que ce soit là, c'est-à-dire on calcule le RD, R2, le carré moyen, hein, distance carrée au moyen. Et on voit, quelle que soit la situation, que ça croît linéairement avec le temps. Donc, on est dans un phénomène classique de diffusion. D'accord ? R2 croît linéairement avec le temps, on est dans un problème classique de diffusion. Ça me décrit aussi bien le comportement qui est ici que le comportement du nuage qui est autour et qui s'étale. Mais nous affirmons en plus que là, il y a non seulement un nuage qui s'étend, comme la racine carrée du temps, mais j'ai également une composante localisée. Alors, s'il y a une composante localisée, pour cette composante localisée, la densité va être, la densité au centre va être constante. D'accord ? Par contre, la densité de la partie dont notre hypothèse, c'est il y a une partie localisée et une partie diffusive. La partie localisée, la densité au centre va être constante. Quant à la partie non localisée qui croît, donc suivant la loi d'un phénomène d'un mouvement brownien habituel, donc R2 proportionnel au temps, en fait, quand vous regardez l'évolution de la densité au centre, ça devrait être en T puissance moins 3,5, mais comme j'ai intégré suivant une dimension, ce n'est plus qu'un problème à deux dimensions, donc c'est en 1 sur T. Et vous voyez que c'est ce que j'obtiens ici. En regardant ça, ce que je reporte, c'est la densité au centre en fonction du temps, et la courbe qui est là, c'est une courbe en 1 sur T, qui est ce que je prévois pour, encore une fois, le nuage qui s'étend de façon diffusive. Résultat des courses, pour le cas qui est ici, ça asymptote vers 0, mais pour le cas qui est ici, ça asymptote vers une fraction localisée constante qui est de 20%. Donc, dans cette expérience, j'ai une fraction localisée de 20%. Alors là, vous allez me dire, bon, donc maintenant, vous allez changer votre potentiel de façon à avoir tout localisé. Et malheureusement, c'est les limites de cette expérience, ça n'a pas marché, ce sera la prochaine expérience qu'on fera dans les 6 mois ou dans l'année qui vient. Pourquoi ? Parce que notre façon de faire l'expérience, je vous le répète, est la suivante. Je laisse les atomes s'étendre et brutalement, je monte le potentiel. Et en montant brutalement le potentiel, ma distribution d'énergie, qui était très fine, parce que dans un condensat de Bose-Einstein, ils ont une distribution d'énergie très fine, comme je monte brutalement un potentiel, je me mets maintenant à avoir une dispersion en énergie qui est très large. Et quand on fait des calculs raisonnables, des calculs de coin de table, mais quand même qui sont assez raisonnables, on s'aperçoit que quoi qu'on fasse, on va toujours avoir une dispersion en énergie qui va encadrer l'énergie critique
qui est le fameux critère de Joffe-Regel, tel que en dessous on est localisé et en dessus on n'est pas localisé. Alors, si vous n'êtes pas complètement convaincu que quand on monte brutalement le potentiel en une dispersion en énergie, je vous donne une analogie classique. J'ai un plateau bien plat là, et puis j'ai des billes qui roulent dessus avec une énergie cinétique parfaitement déterminée. Je monte instantanément, brutalement, des montagnes, et puis il y a des vallées. Eh bien, l'énergie mécanique des billes est différente suivant que la bille était sur le sommet d'une montagne ou restait dans une vallée, dont j'ai une grande dispersion. Eh bien, quantiquement, c'est la même chose. Vous faites l'approximation soudaine, etc., et c'est la même chose. Donc, à ce stade-là, on n'a pas pu faire mieux. En revanche, nous affirmons que nous avons vraiment, alors on a fait des tas d'études, des tas de paramètres, etc., nous avons toujours une fraction, enfin, pardon, au-dessus d'une certaine valeur, nous avons des fractions localisées et une fraction non localisée. Voilà. Donc, on a démontré Anderson 3D. Alors, voilà, on fait des comparaisons avec des théories, bon, ça marche plus ou moins. Ça commence à devenir intéressant parce que la comparaison demande à introduire des paramètres ajustables dans le calcul, donc ça veut dire que les théoriciens n'ont pas tout compris, donc il faut qu'ils améliorent leur théorie, donc c'est bon. Ça veut dire qu'on commence à servir à quelque chose. On ne se contente pas de juste vérifier que la théorie a raison. Là, on leur amène quelque chose, on les force à travailler, donc c'est bien. Donc, où est-ce qu'on en est ? Cette localisation 3D, elle ne peut pas être expliquée par un piégeage classique en dessous du seuil de percolation. Je vous l'ai expliqué, le seuil de percolation est tellement bas que cette fraction localisée, ça ne peut pas être qu'on est piégé. Ici, une précaution qu'on a prise aussi. Vous pourriez penser qu'il y a des atomes piégés dans les minima locaux du potentiel. Ce n'est pas le cas, parce qu'on est dans une situation, les ordres de Gardeur sont tels, on sait le calculer, qu'il n'y a aucun état piégé dans les potentiels locaux. C'est-à-dire que le rapport entre 1 sur la taille, la courbure du potentiel, et puis l'énergie au-dessus de laquelle c'est pas un potentiel harmonique infini, donc il fait ça. En fait, il n'y a pas de niveau d'énergie pour cet oscillateur harmonique tronqué là-dedans. Donc, on n'a aucune explication autre que la localisation d'Anderson. Donc, en plus, on a une description théorique convaincante, même s'il y a des constantes ajustables dedans. Donc, on en conclut que, difficile de ne pas conclure que c'est la localisation d'Anderson. Néanmoins, on aimerait bien une indication directe, un smoking gun, comme disent les anglo-saxons, du rôle de la cohérence, c'est-à-dire du fait que cette localisation est vraiment due à une interférence entre des tas de petites ondelettes. Et là, on ne peut pas dire qu'on l'a. Alors, il y a des tas d'idées, et on a commencé par une expérience qui va nous ramener en arrière, mais qui est le point de départ d'une nouvelle ligne, qui est le coherent backscattering, qui peut éventuellement intéresser les astronomes. Donc, rétrodiffusion cohérente, un indice de la cohérence. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais vous décrire l'expérience. On reprend la même expérience, celle dans laquelle on suspend les atomes, mais maintenant, on ne met plus le deuxième faisceau perpendiculaire pour faire le speckle, dont on a juste un seul faisceau. Donc, en fait, mon speckle se présente comme des barres, comme ça. Parce qu'au foyer de la lentille, tous les faisceaux laser font comme ça. Donc, j'ai des barres comme ça. Et donc, si je lance les atomes perpendiculairement aux barres, j'ai un problème de dimension. Tout le monde est d'accord ou je recommence à faire les gestes ? Mon potentiel est fait de barres comme ça, placées aléatoirement. Je lance des billes perpendiculairement aux barres, j'ai bien un problème à deux dimensions. Bon, donc c'est ça que je fais. Donc j'ai mon speckle qui est comme ça, et je vais lancer les atomes dans le plan ZY. Et toujours avec ma méthode qui consiste à faire une image en absorption avec une caméra qui est là, je vais être capable de déterminer la vitesse des atomes. Alors, comment je fais ? Ça vous donne une idée de la richesse et des outils qu'on peut avoir avec les atomes ultrafroids. Si je fais une photo directe, j'ai la distribution de densité. Mais si je connais la distribution des vitesses, qu'est-ce que je fais ? Je coupe tout le potentiel, sauf que je garde quand même mon gradient de champ magnétique pour lutter contre la gravitation. Donc, ils sont suspendus. Donc, maintenant, j'ai un vol libre. Si le vol libre est assez long, la taille du nuage devient très grande devant la taille initiale. Donc ma distribution de position maintenant reflète à la distribution des vitesses initiales. Donc si je veux connaître la distribution des vitesses, je coupe tout, je laisse étendre, ça s'appelle un temps de vol, et je fais une photo.
C'est ce que vous avez ici. Alors ça, ça vous montre que les étudiants, ils sont vraiment très très bons, parce que là, on est vraiment dans le nano-Kelvin. Ils ont été capables de lancer tous les atomes dans une direction précise, avec une vitesse très précise. Vous avez donc Vy, Vz, et voilà la distribution, vous voyez, ça se trouve autour de cette valeur. Donc, on a une valeur de la vitesse bien déterminée le long de cet axe. Donc, voilà, à l'instant t égale 0, on lance tous les atomes vers le haut avec une vitesse parfaitement déterminée, très bien déterminée. Bon. Donc, vous avez les valeurs qui sont toutes petites. Encore une fois, si vous convertissez ça, ça fait des nano-Kelvin, des choses comme ça. Bon. Alors maintenant, voilà ce qui se passe si au lieu de donc à l'instant t égale 0, vous lancez, voilà ce que vous avez. Maintenant, vous lancez, vous attendez 0,5 millisecondes, 1 milliseconde, 1,5, 2, 2,5. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez progressivement un anneau qui apparaît. Alors c'est quoi cet anneau? J'ai diffusion élastique. Comme j'ai diffusion élastique, la vitesse est conservée. Donc ma distribution de vitesse doit bien se placer sur un cercle autour de l'origine. Module de P est conservé. D'accord? Donc, c'est ce que je vois ici. Je vois la diffusion. Alors, entre parenthèses, les gens qui font du transport sont ravis parce qu'ils peuvent mesurer là-dessus directement le temps de Boltzmann, le temps... Vous savez, il y a des tas de temps très subtils dans les histoires de diffusion. Ils peuvent mesurer tous ces temps directement. Vous voyez là, comme au cinéma, hein, directement, le diagramme de diffusion évoluer dans le temps et tout. Pour les théoriciens, encore une fois, qui font de l'équation de Boltzmann et des choses comme ça, ils ont là-dessus accès directement à des grandeurs microscopiques qu'ils ne voient jamais directement, qu'ils ne voient que réintégrer sur plein de machins à la fin. Bon. Mais le point intéressant, c'est celui-là. On voit que vers l'arrière, il y a un pic qui apparaît. Et c'est ça le pic de rétrodiffusion cohérente. Alors, ce pic de rétrodiffusion cohérente, c'est le smoking gun, que nous sommes dans une situation ici où il y a un phénomène de cohérence. Pourquoi? Parce que voilà comment on interprète la rétrodiffusion cohérente. Je suis ici donc dans mon plan YZ et j'ai une onde de matière qui arrive dont les atomes arrivent avec un moment incident PI. Alors voilà par exemple une trajectoire de diffusion multiple. Je rentre là, je diffuse et hop, je repars vers PF. Mais si j'ai cette trajectoire-là, rappelez-vous que ma vitesse est bien déterminée, donc j'ai une onde plane, j'ai pour la même onde une trajectoire qui arrive ici et qui fait rigoureusement le trajet inverse, et je ressors dans la même direction. Donc ici, pour mes deux trajectoires, même état initial, même état final. Je connais ma mécanique quantique élémentaire, c'est la seule que je connais, mais la mécanique quantique élémentaire, je la connais bien. Quand j'ai même état initial et même état final, je dois ajouter les amplitudes. Alors, si j'ajoute les amplitudes dans ce cas-là, ben, ça dépend de l'angle qui est là, donc tout ça va se moyenner, le terme d'interférence va se moyenner à zéro. Mais en revanche, si je considère la direction qui revient très exactement vers l'arrière, c'est-à-dire PF égale moins PI, alors cette amplitude est strictement égale à cette amplitude et les phases sont les mêmes, donc j'ai une interférence constructive, donc j'ai un facteur 2. Et ce facteur 2 est le même quelle que soit la distance entre les deux points d'entrée. Donc, quand je vais faire la somme de tous mes diagrammes, etc., sur la direction exactement vers l'arrière, je vais avoir un facteur 2. Et ce facteur 2, c'est le phénomène de rétrodiffusion cohérente. Alors, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que je peux faire les calculs avec les notions élémentaires que j'enseigne à mes polytechniciens, ou enfin qu'on enseigne à des étudiants qui ne sont pas si sophistiqués que ça. Parce que ici, si vous voulez calculer la largeur du pic, il suffit de connaître l'ordre de grandeur de la distance. C'est comme un problème de diffraction de fente ou quelque chose comme ça. Or, la distance, comme c'est un phénomène de diffusion, elle va comme deux fois le coefficient de diffusion que multiplie t, et puis j'ai un racine parce que c'est un phénomène de diffusion. Donc finalement, la distance va comme la racine de 2 dt. Donc la largeur croît comme l'inverse de la largeur de la fente. Enfin, la largeur du pic de rétrodiffusion cohérente va varier comme l'inverse de la largeur de la fente. Et tout ça se calcule ab initio avec des calculs que l'étudiant peut faire. Il n'y a pas besoin de grands calculs sophistiqués. Et le résultat des courses est là. Largeur du pic, voilà le calcul que j'ai fait. Et vous voyez que les points viennent magnifiquement se mettre dessus. Alors vous allez me dire, mais et là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on est bête, on a mis quelques temps pour comprendre
Puis on a fini par trouver l'explication, qui était bête comme tout. Et naturellement, comme d'habitude, après, on a trouvé un article de Russe d'il y a 40 ans qui a expliqué tout ça. C'est toujours ça le problème. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dites, pour avoir rétrodiffusion cohérente, il faut au moins avoir deux diffusions. Or, au début, à temps court, on a une seule diffusion. Donc, tant qu'on a une seule diffusion, le diagramme de rayonnement, il est isotrope, en quelque sorte. Donc, en fait, la transition depuis ici jusqu'ici, arrivé ici, on est sûr qu'il n'y a que des phénomènes avec au moins deux diffuseurs. Mais avant, il y a une fraction non négligeable des événements où on a eu une seule diffusion. Et donc, ça, c'est la courbe du Russe, là, la rouge. Donc, vous voyez, là, c'est le régime du Russe. Ça, c'est le régime simple de mes étudiants. Et puis, vous voyez qu'on va bien de l'un à l'autre, ici. Alors, quant au contraste, ici, au début, c'est pareil. Vous voyez, ça, c'est la courbe du Russe, là, la courbe rouge. Et puis, ici, c'est pas si bien que prévu. La raison pour laquelle c'est pas si bien que prévu, c'est que c'est un faux problème à deux dimensions. Parce qu'en réalité, je vous ai dit, le désordre, c'est des barres comme ça. Mais en réalité, c'est des ballons de rugby très allongés. Et donc, de temps en temps, ils commencent à partir en biais. Et au bout d'un certain nombre de diffusions, donc quand vous arrivez par là, vous avez un nombre de diffusions assez grand pour que ce soit parti de biais. Donc, on comprend ce qui est là et on sait ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'expérience. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant, ça? C'est parce que la localisation d'Anderson, on peut la comprendre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en théorie, c'est quelque chose comme une résolvante, on peut le comprendre comme à la ressommation d'un grand nombre de diagrammes. Ça, c'est le phénomène à l'ordre 1. C'est ce qu'on appelle la localisation faible, ce phénomène de coherent backscattering. Donc, si j'essaie de faire propager un faisceau dans un milieu diffusant et que j'ai des coherent backscattering, de la rétrodiffusion cohérente, la décroissance est plus forte que prévu à cause de ce facteur 2, mais on n'est quand même pas localisé. Pour être localisé, il faut augmenter l'impact du désordre, et maintenant, il va y avoir un phénomène d'ordre 2 qui fait qu'il va y avoir rétrodiffusion cohérente, mais le pic qui va vers l'arrière, il va y avoir un nouveau pic vers l'avant, puis un nouveau pic vers l'arrière, puis un nouveau pic vers l'avant, et la ressommation de tous ces diagrammes va me donner la localisation d'Anderson. Donc ici, ce qu'on a mis en évidence, c'est le diagramme d'ordre 1 qui, si on l'ajoutait aux autres, dans des conditions où les autres jouent un rôle important, finirait par donner la localisation d'Anderson. Donc on tient les deux bouts de la chaîne, donc inutile de vous dire qu'on rêve de voir le diagramme d'ordre 2 puis d'ordre 3, parce que je pense que là, on a vraiment une compréhension complète du phénomène. Alors, on va finir. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Beaucoup de choses. Sur 3D, ce que les théoriciens aimeraient, c'est qu'on soit capable d'aller explorer le phénomène au voisinage de la valeur critique de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à avoir les atomes dans le désordre avec une énergie parfaitement déterminée. On va se mettre juste en dessous, on est localisé. Juste en dessus, on n'est pas localisé. Et puis on peut regarder la façon dont les choses évoluent. Il y a des exposants critiques qui sont universels. Donc il s'agit de mesurer des valeurs d'exposants critiques qui, en principe, si les théoriciens sont bons, ce sont des valeurs universelles. Bon. Ça, ils savent le calculer. Mais quand même, ils ne sont pas sûrs. Donc, il faut aller vérifier. Deuxièmement, la valeur précise de la valeur de l'énergie critique, transition de phase, ils ne savent pas le calculer. Ils savent donner des lois d'échelle pour dire voilà comment ça varie avec tel ou tel paramètre. Par contre, le préfacteur qui est devant, ils ne savent pas le calculer. Et à 3D, on ne sait quasiment pas faire les calculs. Ce sont des calculs trop gros pour les ordinateurs actuels. Mais limite, limite quand même. Donc, si on arrive avec une valeur, ils vont prendre un ordinateur plus gros ou prendre une grappe d'ordinateurs, ou je ne sais pas quoi, ils vont arriver à le calculer. Donc là, on est vraiment dans le simulateur. Hein, c'est-à-dire, on commence à être capable d'être en avance sur ce que les théoriciens savent faire. Donc, mesurer donc, les valeurs exactes de ce qu'on appelle le mobility edge, qui est la valeur de cette énergie, les longueurs de localisation en fonction de l'énergie, mesurer les exposants critiques, ce qui demande un meilleur contrôle, mais on a une idée sur comment le faire, ça sera la prochaine énergie. Bon, la prochaine manip, je ne veux pas trop discuter ça. Bon, le point majeur, c'est, vous savez ou vous ne savez pas, mais peut-être qu'un certain nombre d'entre vous a entendu parler, aujourd'hui, dans le domaine des atomes ultra-froids, on sait, grâce à ce qu'on appelle les résonances de Feshbach, on sait contrôler l'énergie d'interaction entre les particules en modifiant un champ magnétique. On peut mettre l'énergie d'interaction à zéro,
la rendre positive, la rendre négative. Et donc là, on va entrer dans le domaine de la localisation d'Anderson en présence d'interactions. Et là, je peux vous dire que les théoriciens, ils sont passionnés par ça, c'est le problème à N-corps, mais ils ont les résultats les plus contradictoires. Donc, c'est une situation très intéressante. Donc, on est en train de se doter de cette technique expérimentale de la résonance de Feshbach. Et donc, dans quelques mois, je pense qu'on pourra commencer à aller toucher ce domaine-là. Alors, j'ai indiqué ici que la localisation d'Anderson 2D, curieusement, est plus difficile à mettre en évidence que c'est la 3D, mais on va y arriver un de ces jours, sûrement. On aura fait comme ça aussi l'ensemble. On a fait le 1D, on a fait le 3D, on aura fait le 2D. Bon, il y a aussi des idées. Qu'est-ce qui se passe si je secoue mon désordre? Est-ce que je ne vais pas casser, par exemple, le coherent backscattering? Parce que vous avez compris que dans le coherent backscattering, j'ai interférence entre une boucle qui va dans un sens et la boucle qui va dans l'autre. Mais n'oubliez pas que ça ne va pas à la vitesse de la lumière. Hein, c'est des atomes lents, là, donc ça se propage lentement le long des boucles. Donc si je secoue le désordre, alors la phase que je vais attraper ici ne va pas être la même que la phase que je vais attraper là. Sauf si j'ai pris une valeur très symétrique de la façon dont je secoue, mais je ne suis pas idiot, je ne vais pas le faire comme ça. Donc, je vais peut-être casser. Mais d'un autre côté, quand je secoue, en général, ce qui va se passer, c'est que je vais chauffer mon échantillon. Donc, je ne suis pas sûr que ça va être une preuve. Alors, il y a tout un truc qui se développe, qui est la synthétisation de champs de jauge fictifs. Dalibar travaille là-dessus, etc. Si on peut mettre des champs de jauge fictifs qui font qu'on brise l'invariance par renversement du temps. La boucle comme ça ne va pas être équivalente à la boucle comme ça. Donc peut-être qu'on va arriver à le casser. Donc il y a des tas d'idées. Bon, le problème, c'est qu'il y a trop de choses à faire. On va pas arriver. C'est des manips très dures, très longues. Dès que vous voulez changer quelque chose dans la manip, ça prend des mois et des mois. Mais il y a plein de choses à faire. Donc, voilà. Je pose la question, mais en fait, oui, je crois que c'est un simulateur quantique. Mais en tout cas, et ce sera ma conclusion, ce qui est sûr, c'est que c'est un stimulateur pour les théoriciens quantiques. Voilà. Merci beaucoup.